Bonsoir à tous. C'est un visage méconnu de l'Île-de-France que je vous propose de découvrir ce soir. Un voyage en pleine nature, jalonné d'édifices à l'architecture riche et étonnante. Vous serez d'abord surpris par les affolantes, ces belles demeures de villégiature construites en bord de Seine au XIXe siècle. Celle de l'artiste Rosa Bonheur est l'une des plus attachantes. Cette pionnière du féminisme était une peintre renommée à l'époque. Elle avait aménagé son atelier dans un château de style néo-gothique. L'actuelle propriétaire a eu un coup de foudre et elle a décidé de l'ouvrir au public. En fait, je pense que quand je me suis lancée dans ce projet-là, je n'avais pas conscience de la masse de travail que ça allait être. Et à chaque fois qu'il y a un obstacle qui est passé, bah, c'est une super victoire. Et ouais, c'est un gros travail, mais tellement, tellement, tellement de bonheur. L'Île-de-France est aussi une terre de culture. En Seine-et-Marne, nous ferons étape dans les champs de coquelicots. Ces fleurs sauvages parfument les biscuits originaux de deux jeunes entrepreneurs très attachés à leurs racines. Leur création est née de la rencontre avec un producteur. Un champ qui a des coquelicots signifie que déjà, un, il n'est pas traité. Puisque le coquelicot, en fait, ne supporte absolument pas les pesticides, les traitements chimiques. L'autre particularité, bah, c'est que c'est magnifique, quoi. Et c'est le symbole aussi de l'Île-de-France. C'est un signe très fort de ce que représente, en fait, le territoire francilien. Nous nous arrêterons également à Versailles, une ville bâtie à l'horizontale. Afin de ne jamais faire d'ombre au château du Roi Soleil, elle est l'œuvre du grand architecte Louis Levaux. Et il suffit d'entrer dans la cour d'honneur du lycée Hoche pour découvrir l'un des édifices les plus majestueux, une chapelle qui a révolutionné l'architecture religieuse. Tout est novateur ici, par exemple les fenêtres. On s'attendrait à avoir des vitraux, mais pas du tout. Ces fenêtres ont des grandes vitres, hein, très simples. Ce sont des menuiseries comme des menuiseries civiles. Donc finalement, on est complètement dans une lumière tamisée, douce, mais en même temps qui baigne la totalité de l'édifice et qui crée partout des surprises. De l'audace architecturale, il en fallait aussi lors de la construction de l'aéroport du Bourget dans les années 30. 8 ans après la première traversée de l'Atlantique par Lindbergh, l'État commande un port aérien qui impressionne. Ce bâtiment est une vitrine du savoir-faire français. Il préfigure les grands aéroports qui seront construits par la suite. Le goût de l'Île-de-France est un film signé Franck Delens et Marie-Agnès Suquet. Sophie Cueil est historienne de l'art. Elle entame un survol des plus beaux monuments de villégiature de l'Île-de-France. Il n'y a pas d'autres régions où on trouve autant d'exemples de la villégiature allant du XVIe siècle aux années 30. C'est vraiment spécifique à l'Île-de-France. Là, on aperçoit vos vicomtes, c'est génial, c'est vraiment... On voit ce sublime château. J'avoue que je suis très émue de le voir comme ça, le dominer vu d'avion, c'est absolument magique. Le vicomte, c'est un des premiers châteaux de villégiature. Au milieu du XVIIe, période à laquelle il a été construit, on va dire château de plaisir, château de plaisance. Mais c'est l'un des premiers châteaux construits finalement pour accueillir le roi et pour faire des fêtes non loin de Paris. C'est en 1653 que Nicolas Fouquet, le surintendant des finances de Louis XIV, se fait bâtir à l'écart de Paris ce château à la hauteur de sa puissance. Le grand architecte Louis Levaux invente ici un style novateur, un modèle de l'architecture française pour les 150 ans à venir. La demeure semble émerger comme un décor de théâtre. Nous sommes devant une œuvre totalement moderne, moderne pour l'homme du XVIIe siècle. Pour nous, c'est un monument historique. Pour celui qui découvrait l'édifice en 1661, c'est un château moderne.
C'est un plan qui rompt avec l'architecture défensive. Si le château de Vaux-le-Vicomte est encore entouré de douves qui sont mises en eau, ce n'est pas du tout défensif. Là, c'est esthétique, c'est pour le plaisir. Le château est entouré de parterres dessinés de manière géométrique par André Lenôtre. Ils offrent un admirable jeu de perspective. Œuvre fondatrice des jardins à la française, ils établissent les bases qui serviront quelques années plus tard à créer les parcs du château de Versailles. Quand on le survole, on comprend comment il s'implante dans le paysage. C'est absolument fascinant. On a l'impression qu'on est devant une maquette de Lenôtre. On voit bien comment le jardin à la française s'implante, se love au milieu de tout un massif boisé qui le dessine. C'est l'aboutissement de la création du jardin à la française avec ses structures régulières, avec ses broderies de buis et qui fonctionne totalement avec des perspectives et avec le paysage. Nicolas Fouquet ne profita pas longtemps de son château. Quelques semaines après avoir donné une fête éblouissante à Vaux-le-Vicomte en l'honneur de Louis XIV, il est arrêté. Le roi l'accuse d'avoir détourné des millions pour édifier son palais. Il finit sa vie en prison. Sophie Cueil va maintenant survoler d'autres résidences de villégiature. Toutes bâties à quelques dizaines de kilomètres autour de la capitale, elles racontent comment les plus fortunés se sont fait élever des demeures à l'architecture éclectique jusqu'au XXe siècle. Il pouvait ainsi profiter des douceurs de la campagne francilienne. Il est là, voilà, ça y est. Là, là, dans la... Ah oui, oui, je vois. Nous sommes au désert de Retz. Alors le désert de Retz, c'est vraiment une folie. C'est une folie à tous les sens du terme. C'est une folie parce qu'on appelle ce genre d'édifice, la colonne qui est au centre de la composition et de la forêt, une folie. Mais c'est aussi une architecture complètement atypique et pittoresque. Un siècle après Vaux-le-Vicomte, en 1774, François Racine de Montville achète ici, en bordure de la forêt de Marly, une maison de campagne sur un vaste terrain qu'il appelle son désert. Il fait construire cette colonne pour y vivre lorsqu'il n'est pas à Paris. C'était vraiment un homme extravagant et l'extravagance de ce parc reflète le personnage. Donc là, c'est vraiment une villégiature atypique, exceptionnel, et c'est vraiment l'un des joyaux de la villégiature d'Île-de-France. Cette fausse ruine de 25 mètres de hauteur, imaginée comme un monument détruit, fait référence aux cités de Pompéi et d'Herculanum qui viennent d'être redécouvertes. La ruine, ça fait rêver, on se demande ce qu'il y a derrière. Donc, c'est tout un imaginaire qui est mis en œuvre par le villégiateur. Et il y a vraiment une mode de la ruine dans tous ces parcs. On mettait souvent des églises ruinées, des chapelles ruinées, des hôtels ruinés. La ruine est un moment de méditation. Survoler et voir cette colonne au milieu, c'est absolument fascinant. On approche du château de Ferrières. Ah, je le vois, il est devant, là. Dans la forêt, là, c'est ça. Ah, il est au fond, là-bas. C'est vraiment le château qui symbolise la villégiature du Second Empire. Il a été inauguré par Napoléon III et son épouse Eugénie. La tradition de la villégiature va perdurer, même s'intensifier au XIXe siècle. La haute bourgeoisie va s'emparer de cette sociabilité aristocratique et de la pratique de la villégiature pour construire des belles demeures qui ressembleront à des châteaux et qui parfois seront des châteaux. Au sud-est de la capitale, le baron James de Rothschild s'est fait édifier cette immense demeure. Elle est considérée comme la plus luxueuse de cette époque. Ce château a une architecture tout à fait particulière.
étonnante et qui joue sur l'éclectisme, comme toute l'architecture de la villégiature du 19e siècle, mais sur un éclectisme orienté vers la Renaissance. Trois Renaissances qui se rencontrent dans cet édifice. La Renaissance anglaise. Les quatre tours qui cantonnent cet édifice sont typiquement anglaises. Et aussi Renaissance italienne. Plusieurs des façades de ce château reprennent une architecture palladienne. Même l'une de ces façades reprend totalement un bâtiment qui a été construit par Palladio à Vicence. La troisième Renaissance que l'on retrouve dans cet édifice est la Renaissance française, la belle Renaissance du Louvre, donc il est vraiment très particulier. C'est amusant de voir comment les villégiateurs du 19e siècle regardent ce que fait le voisin et il y a toujours une surenchère. En construisant ce château, il est évident que James Rothschild a vraiment envie de montrer à tous qu'il est le membre fondateur d'une des grandes branches de la banque française et de la branche des Rothschild. Tout est fait pour paraître, pour montrer que l'on est extrêmement riche. L'historienne de l'art termine son vol en se dirigeant vers le manoir de Beaumarchais, commandé en 1927 par le célèbre joaillier Jean-Louis Boucheron. À l'aube des années 30, l'architecture rurale est à la mode. C'est une architecture néo-régionaliste. Cela veut dire qu'on met en œuvre un système de pans de bois, comme on trouve dans les manoirs du Pays de Caux. Il y a aussi une mise en œuvre de briques et pierres, notamment de jeux de briques en damier, qui sont un élément tout à fait caractéristique de l'architecture du Pays de Caux du XVIe siècle. On a vraiment l'impression de se trouver devant un bâtiment ancien. Et je vous promets que lorsque la première fois j'ai découvert cet édifice, je pensais que c'était un château ancien, je me suis posé la question. Et quand on regarde bien, on s'aperçoit que c'est un château moderne qui est contemporain quand même de construction de Le Corbusier. C'est une des dernières expressions, mais fort belle, de la villégiature d'un pavillon de chasse. Le lendemain, Sophie Cueil sillonne la Seine en bordure de la forêt de Fontainebleau. À partir de la moitié du 19e siècle, sur quelques kilomètres, ont été bâties ici les plus belles demeures de villégiature. Avec l'arrivée du chemin de fer et des plaisanciers aisés, les rives du fleuve se sont métamorphosées. Toutes ces maisons sont qualifiées d'affolantes. Pourquoi affolantes ? Affolantes parce que ce sont des folies. Ça reprend un petit peu finalement la typologie du 18e et début 19e siècle. Ce sont des maisons qui doivent susciter l'étonnement. Au détour du méandre d'un fleuve, tout d'un coup, on va tomber sur un édifice et on doit être étonné. Beaucoup de ces édifices sont en pan de bois avec des colombages et c'est une typologie tout à fait récurrente du balnéaire qui s'implante sur les rivages de la Seine. Et c'est un style effectivement éclectique. Ce sont des recompositions prenant ça et là, des pans de bois effectivement normands, un petit peu de Renaissance dans une lucarne, une entrée gothique. Et c'est ce panel du vocabulaire architectural du 19e siècle et du début 20e que l'on retrouve dans ces maisons-là. Nous sommes loin finalement de l'architecture haussmannienne, peut-être austère, ou de la rigueur des hôtels particuliers parisiens que peuvent avoir ces bourgeois. Là, on se lâche. À Thomery s'élève l'une des plus hautes affolantes, le chalet du Clos Bondieu, construit en 1890 sur une parcelle étroite au bord du fleuve. Une célèbre chanteuse d'opéra, Lucienne Bréval, l'a racheté 20 ans plus tard pour y passer ses vacances.
C'est une maison totalement particulière sur le parcours des affolantes des bords de Seine. C'est une architecture de la fin du 19e siècle qui reprend une typologie plutôt d'architecture industrielle. Elle est intéressante parce qu'on a ce qu'on appelle les travées, des baies les unes sur les autres, qui ouvrent totalement la maison sur le paysage. Et ce qui est également tout à fait intéressant là, c'est la présence de balcons. Vous avez de part et d'autre, dans une manière extrêmement symétrique, la mise en place de balcons sur tous les niveaux, des balcons en bois, ce qui fait que ce bâtiment s'appelle chalet. C'est un chalet de bord de fleuve. Oui. Et là, vous avez carrément une terrasse. Ça, c'est vraiment caractéristique d'un aménagement. Ça, c'est plutôt tardif, c'est plutôt premier quart 20e. Et on a le privilège d'avoir une petite terrasse aménagée avec un auvent pour profiter de la vue. Ce tronçon de fleuve est vraiment privilégié par la nature et par la présence de la forêt de Fontainebleau qui vraiment borde le fleuve. C'est un petit paradis extrêmement dépaysant et on oublie que Paris, finalement, n'est pas très loin. À Bois-le-Roi, l'architecte et sculpteur Louis Perrin a dessiné le Clos Barbeau. Magnifiquement restaurée, la grande bâtisse est aujourd'hui divisée en appartements. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vous en prie, bienvenue au Clos Barbeau. Merci. La vue est absolument magnifique. Là, vraiment, sur cette passerelle, c'est extrêmement réussi. Donc là, nous sommes dans une maison qui est vraiment installée entre Seine et forêt. Et l'on voit bien que tout a été conçu, fait pour jouir du paysage. C'est un vrai monument du patrimoine, effectivement. Et c'est un luxe d'habiter dans une maison comme ça, qui a été fait à l'origine pour des gens très aisés. Et on a la chance d'habiter dans un endroit pareil. Moi, c'est un rêve d'enfance, avoir un petit appartement qui donne sur la Seine, moi qui suis pêcheur en plus. Merci de nous accueillir. Merci, Sacha. Liliane Fautrel habite dans l'avancée qui offre la plus belle vue sur le fleuve. Je l'ai vu il y a quelques années, une dizaine d'années. J'avais dit, je ne vivrai jamais là, je ne pourrai jamais vivre là. Et puis un jour, j'ai su qu'elle était divisée en appartements. Et là, pour moi, la maison, c'est quelque chose qui a été construit par des anciens. C'est une véritable perfection. Et c'est comme les châteaux, c'est comme, pour moi, c'est le patrimoine de la France. C'est ce qu'ils ont donné, c'est ce qu'ils nous ont laissé. On rêve un peu quand même là. Bon, c'est pas la mer, c'est pas la mer, on part pas, on part pas dans un autre pays. Il y a une vie, il y a une vie. 100 mètres plus loin, le même architecte a conçu la Villa Chantemerle. C'est une maison plutôt néo-gothique, on va dire, avec cette tourelle et ce toit pointu. C'est une maison qui a un soubassement, qui donne une grande assise à la maison, et après une élévation par les tours et les parties hautes. Et ça se termine sur ce qui pourrait être des ateliers, qui doivent avoir une vue absolument sublissime sur le paysage. La façade la plus surprenante est celle de la Villa du Vieux Logis. Conçue au Moyen-Âge en Picardie, elle a été démontée puis replacée ici en 1897. Ce qui est absolument remarquable dans cette maison, c'est la manière dont sont traités les pans de bois. Ils sont des pans de bois extrêmement travaillés. Et ce ne sont pas uniquement des croix de Saint-André ou des morceaux de bois habillés. Là, c'est tout à fait orné. Ils sont tous travaillés, ondulés. Il y a une très, très grande qualité dans la mise en œuvre des pans de bois de cette maison. Et j'avoue que la polychromie ajoute énormément au charme de cette maison et c'est un peu inattendu, il est vrai. Sophie Cueil a maintenant rendez-vous dans un site à l'histoire singulière qu'elle n'a jamais visité. Nous allons à Thomery, au château de Bie. Une jolie maison de plaisance du 18e, dans laquelle le peintre
Rosa Bonheur, qui était un peintre du milieu du 19e siècle, s'installe en 1859. Et là, c'est un bel exemple de villégiature de bord de forêt. C'est une renaissance totale de cet édifice avec des travaux qui vont la remettre en état. Une famille s'y installe et va à nouveau mettre à la disposition, à la découverte du public, cette demeure absolument extraordinaire. La propriétaire a racheté en 2017 ce petit château de villégiature. Bonjour Catherine. Bonjour Sophie. Vous êtes en plein chantier. On peut dire ça comme ça, effectivement, en plein chantier. Catherine Brault a décidé d'ouvrir au public cette demeure labellisée Maison des Illustres, qui fut celle de l'artiste Rosa Bonheur. En 1859, c'est une peintre mondialement célèbre et le tout Paris se presse dans son atelier. Femme libre, considérée comme l'une des pionnières du féminisme, elle cherche un lieu à la campagne pour sculpter et surtout peindre les scènes animalières qui font son succès. Elle a acquis 6 ans plus tôt une grande notoriété avec son marché aux chevaux, acheté par un Américain pour une somme considérable. À 37 ans, Rosa Bonheur est alors la première femme française à pouvoir s'offrir un château grâce aux fruits de son travail. Elle trouve cet endroit, il est exactement ce qu'elle cherche. Bordure de forêt, grand espace, grand parc de presque 4 hectares. C'est le lieu idéal. C'est quand même, à l'époque, le peintre, homme et femme confondus, la plus vendue et la plus connue au monde. Ses œuvres sont les plus chères à l'époque. On a du mal à s'imaginer ça maintenant. C'était une véritable rockstar. Pour construire son atelier, l'artiste a fait appel à Jules Saulnier, un architecte célèbre de l'époque qui va surélever l'aile nord du bâtiment. Il cache une armature révolutionnaire en métal derrière une façade aux décorations de style néo-gothique. Dans la travée centrale, dans laquelle s'inscrit une fenêtre, vous avez une sorte de baie géminée, mais occultée, avec tout un petit motif de crochets qui sont sculptés dans le bois et qui encadrent cette baie. Et les éléments néo-gothiques sont également dans les parties hautes, essentiellement, avec ce pavillon qui est un pigeonnier qui domine tout l'édifice. C'est vraiment de la fantaisie néo-gothique. Cette maison-là, elle a tous les éléments d'une maison de villégiature. Elle a le belvédère, elle a la grande terrasse, et elle a cette écriture que l'on retrouve sur nombre de maisons dans l'ensemble de l'Île-de-France. Nous sommes à quelques semaines de l'ouverture du site aux visiteurs et le rez-de-chaussée est encore en plein travaux. Et ici, on est dans les écuries. On a un système de voûtement caractéristique des écuries, les petits boutins de briques avec le métal. On a vraiment gardé, et là, c'est vrai, ça a été un miracle, parce que quand on a nettoyé, mais juste brossé, on s'est retrouvé avec ce plafond qui est caractéristique magnifique, qui est beau, et il est en parfait état. Pareil pour le sol, on se retrouve avec un sol qu'on ne veut pas modifier, on trouve ça vraiment, vraiment superbe. Et l'écurie en super bon état. Donc là, on va rentrer dans l'atelier de Rosa Bonheur, il faut imaginer Rosa Bonheur qui était là-haut et tout d'un coup qui entend des pas et c'est l'impératrice Eugénie qui débarque pour lui remettre la Légion d'honneur. Alors, elle n'est pas avertie, vraiment, Eugénie arrive comme ça, à l'improviste avec sa cour. On a du mal à y croire, mais ça s'est passé comme ça. En 1865, l'impératrice lui remet les insignes de la Légion d'honneur. Elle est la première femme artiste à recevoir cette distinction. Bienvenue dans le sanctuaire de Rosa Bonheur. Et on a le petit atelier, tout le monde qui travaille. Il y a toute une équipe. Voilà. Et là, ça bosse dur. J'ai embauché tout le monde. Hein. Toute la famille est là. Et puis elle est là, elle nous surveille du coin de l'œil. J'ai l'impression qu'elle se fout un peu de nous. Catherine a décidé de transformer en musée l'atelier de Rosa Bonheur, resté inchangé depuis sa disparition en 1899.
Mais c'est merveilleux de voir les choses revivre et ressentir, enfin toucher les objets que Rosa Bonheur a touchés, essayer de leur redonner l'aspect qu'ils avaient à son époque. C'est du bonheur. C'est la première fois que je trouve que le ménage, c'est intéressant. En fait, je pense que quand je me suis lancée dans ce projet-là, je n'avais pas conscience de la masse de travail que ça allait être, de tous les obstacles qu'il allait falloir franchir. Et puis on avance, et à chaque fois qu'il y a un obstacle qui est passé, c'est une super victoire. Et ouais, c'est un gros travail, mais tellement, tellement, tellement de bonheur. Mes enfants aussi, ils ont dû apprendre à vivre avec Rosa Bonheur, c'est devenu leur grand-mère. Et je crois que ça les rend heureux aussi, enfin, de pouvoir approcher un personnage comme celui-là. J'ai mon bac et puis je viens ici le soir pour nettoyer. Donc le matin et l'après-midi, je révise et le soir, je viens ici, je dépoussière, je cire, je nettoie. Mais c'est super, c'est chouette. C'est une maison qui est incroyable. Avec mes amis, on regardait le balcon, on se disait c'est quand même vachement joli, la vue doit être super belle. Et puis maintenant, on y est, quoi. C'est assez fou. La première fois que je suis venue ici, je n'aimais pas Rosa Bonheur et je n'aimais pas le 19e siècle. Et quand je suis sortie de cette pièce, j'étais tombée amoureuse de Rosa Bonheur, amoureuse de son œuvre. Tant qu'il y aura encore des choses à découvrir sur Rosa Bonheur, je continuerai à travailler, à fouiller, à essayer de comprendre qui elle était vraiment, pourquoi elle a disparu de nos livres d'histoire de l'art. Elle est très attachante, très, très, très émouvante. Là, je vais vous emmener dans un endroit qui me touche plus que tout. Ce sont les greniers, là où on continue à découvrir des trésors tous les jours. Et voilà. Donc là, c'est mon plaisir. Alors par là, je me souviens avoir trouvé, voilà. Comme dans l'atelier, tout ici est resté en l'état. Les différents propriétaires, descendants d'une amie de l'artiste, ont gardé tous ces objets et ces esquisses. Alors, parmi les découvertes, voilà, on a un carnet de croquis, voilà, alors, avec des indications. Elle était très attirée par effectivement la chevalerie. Le chien, c'est un berger doudou. Ouais, ça ressemble à un berger. C'est un peu comme de l'archéologie. Là, nous sommes dans l'archéologie d'un grenier pour découvrir la carrière d'une artiste peintre. Alors là, on arrive vraiment, pour moi, dans l'endroit le plus émouvant. Rosa Bonheur avait même fait installer un petit toit-terrasse au sommet du pigeonnier. Et voilà, le belvédère de Rosa Bonheur. Ah, c'est somptueux. Là, on comprend vraiment pourquoi elle est venue s'installer ici. Ah, complètement, parce que là, elle est vraiment entre la forêt et le fleuve. Ouais. Donc on devine la boucle de la Seine. Nous sommes vraiment dans un classique de la villégiature. Nous sommes sur un belvédère entre la forêt, le fleuve, un paysage de tous les côtés, un point de vue, un lieu duquel l'artiste pouvait contempler la forêt, mais aussi la vallée. Et c'est vraiment le paysage et le mot-clé de toute architecture de villégiature. Et c'est le cas dans cette maison de Rosa Bonheur. Sophie Cueil s'approche maintenant d'une petite ville de l'ouest parisien, le Vésinet. Ici, la forêt recouvrait encore les collines au 19e siècle. Nous sommes à 20 km de Paris, dans un lieu complètement paysager qui donne l'illusion de la campagne. Mais c'est une campagne complètement factice, complètement créée. On a conçu cette ville comme une ville paysagère idéale. En 1860, un industriel et un paysagiste créent ce vaste lotissement de villégiature en s'inspirant des cités-jardins anglaises. C'est une période où la vie à Paris commence à devenir vraiment difficile. Il y a eu la grande épidémie de choléra en 1832 qui avait suscité le besoin de la bourgeoisie de s'évader de cette ville. Et puis il y a aussi un courant, une mode qui vient d'Angleterre. Les Anglais ont été les premiers, les Londoniens ont été les premiers à éprouver le besoin d'avoir des maisons de villégiature, ce qu'ils appelaient des cottages, à l'extérieur de Londres.
5 lacs artificiels sont creusés, reliés par des fausses rivières. Des vastes coulées vertes multiplient les perspectives. Sur les 2000 lots d'habitation, chaque acquéreur a pu laisser libre cours à son imagination. On peut considérer que le Vésinet est une sorte de musée. C'est un musée de l'architecture, de la villégiature en plein air. Il y a tout au Vésinet. C'est derrière cette grille que se cache l'un des emblèmes des villas de plaisance en Île-de-France, la maison Wood Cottage. Elle a été classée à l'inventaire des monuments historiques au début des années 2000. C'est vraiment une maison conte de fées. On ne s'y attend pas, on rentre dans la propriété et tout d'un coup, on découvre cette maison complètement atypique. Durant la première moitié du 19e siècle, ça n'existait pas. C'était des maisons blanches, néoclassiques, avec une architecture régulière. Et là, on tombe devant une maison invraisemblable. On se demande même si c'est une maison, si ce n'est pas un décor de théâtre. C'est une architecture un peu éphémère. Alors du coup, ces maisons ont beaucoup disparu. Ou alors, elles étaient dans les parcs, elles ont été détruites, elles étaient fragiles. Et ce qui est exceptionnel, c'est non seulement son architecture pittoresque, mais aussi le fait qu'elle soit conservée. Toute la structure en pan de bois a été conçue avec les arbres qui recouvraient le terrain à l'époque. Elle dessine sur la façade un paysage de forêt. Chaque panneau est différent. On a vraiment l'impression que les arbres sortent de la façade. C'est vraiment une mise en œuvre incroyable. Entre les bois de chêne, les bâtisseurs ont conçu une maçonnerie rustique avec les matériaux les plus divers. De la meulière, du silex et des débris de pierre. Ces morceaux de meulière, ils émergent en quelque sorte. Ils sont présents, ils sortent de la matière. C'est comme une grotte en quelque sorte. Le matériau qui émerge et qui est proche de la nature. Là, on est vraiment dans un morceau de nature. Bon. Allez-y. Merci, pardon. Aujourd'hui, la maison Wood Cottage appartient à la municipalité du Vésinet. Catherine Politis, chargée de la culture, l'a fait découvrir aux passionnés qui le désirent. C'est une merveille architecturale. Ce n'est pas le palais de l'Élysée ou le château de Versailles, mais c'est une petite merveille. Et la lumière rentre dans la maison, la lumière verte du jardin rentre dans la maison. Ça, c'est exceptionnel. À l'intérieur de la maison, la lumière est tamisée, elle est atténuée. On a l'impression, lorsqu'on rentre dans cette maison, d'être dans un petit cocon tout en bois, derrière ses fenêtres. Ces fenêtres, elles, ce ne sont pas des vitres ordinaires. C'est tout un réseau de petits verres mousseline, pour certains colorés, celui-ci est coloré, qui sont enchâssés dans un réseau de plomb, comme le système des verrières dans les édifices religieux, finalement. Là, ce sont les vitraux d'une maison. Et donc, ça crée une ambiance tout à fait particulière, un peu feutrée. On voit dehors, mais au travers de cette mousseline de verre. L'aspect de ce mobilier, l'ambiance générale, l'ouverture sur le jardin, on a l'impression qu'on est remonté en 1864. C'est différent d'ailleurs. On n'est pas dans une vraie maison. On est ailleurs. À une centaine de kilomètres du Vésinet, deux amis traversent la Seine-et-Marne. Là, typiquement, sur cette route, on est en plein cœur des terroirs d'Île-de-France. Sur notre gauche, on a un champ de colza. Sur notre droite, c'est de l'orge. Juste après, là-bas, on est sur du blé. Voilà, l'Île-de-France, c'est d'abord ça. En 2012, Guillaume Caffin et Louis Bataille ont eu une idée. Fabriquer des biscuits parfumés aux saveurs de l'Île-de-France. À l'époque, avec Guillaume, on avait envie de se lancer dans un projet vraiment qui a du sens. Et à peu près à ce moment-là, j'ai eu l'occasion de traverser la France à pied, du nord au sud.
voilà, j'ai découvert des choses magnifiques et je me suis dit, bah, c'est vrai que dans toutes les régions en France, il y a des produits bien identitaires des différentes régions, il y a des terroirs bien mis en avant. L'Île-de-France, à côté de ça, c'est une région qui est très riche, qui est très diversifiée, qui est avant tout agricole. Et ça, finalement, les gens ne le savent pas tant que ça. En plus de ça, avec Guillaume qui est fils d'agriculteur, moi, petit-fils d'agriculteur, on a le terroir, c'est vraiment ancré en nous, on y est vraiment attaché. Pour moi, alors, cet attachement à la région, c'est très personnel. Mes vacances, par exemple, c'était travailler à la ferme. Je faisais les récoltes, j'étais dans les champs, je charriais le grain, j'ai fait les foins, les pailles. Ce sont tout simplement mes racines. Dans mon parcours, j'ai pu aller ailleurs, mais finalement, je suis toujours venu dans le coin. Là, on est parti vers Nemours, en Seine-et-Marne. On va aller retrouver Denis, notre producteur de coquelicots. Aussi curieux que ça puisse paraître, on utilise du coquelicot dans nos biscuits. Les deux hommes retrouvent Denis Julemier. Salut Denis. Bonjour Guillaume. Ça va ? Il y a 20 ans, ce confiseur a remis au goût du jour la préparation de sirop de coquelicot. On a commencé ce matin assez tôt, mais pas trop tôt, parce qu'avec la rosée, c'est embêtant. Donc il faut attendre que le soleil se lève bien avant de les cueillir. Ils sont beaux là. Oui, oui, c'est une bonne année. Couleur. Ils sont bien colorés. Une belle récolte ce matin. Et donc là, la cueillette, c'est quoi ? C'est pas un par un, les pétales quand même, Non, c'est pas un par un qu'on les prend. En fait, c'est délicatement avec les deux doigts de la main. Tu viens glisser sur la tige, tout juste comme ça, et tu viens effleurer et tu prends juste les pétales. Okay. Et en fait, c'est que les pétales que nous prenons pour notre production. Et on laisse tout le reste. La récolte de ces fleurs ne dure qu'un mois. Elle requiert patience et délicatesse. Un champ qui a des coquelicots signifie que déjà, un, il n'est pas traité. Puisque le coquelicot, en fait, ne supporte absolument pas les pesticides, les traitements chimiques. C'est pour ça que souvent, il est associé d'ailleurs à la naturalité, au côté santé et responsable. Deuxième indication, c'est que c'est un terrain calcaire, puisque le coquelicot pousse sur des sols calcaires. C'est la particularité de notre région de Nemours. Quelle autre particularité, c'est que c'est magnifique, quoi. Et c'est le symbole aussi de l'Île-de-France. C'est un signe très fort de ce que représente en fait le territoire francilien. La tradition du coquelicot de Nemours remonte à plus d'un siècle, lorsque cette fleur sauvage a été transformée en bonbon. Quand ils ont rencontré Denis, Guillaume et Louis ont eu l'idée de la décliner dans leurs biscuits. Dans notre histoire ici, c'est aussi des histoires de rencontres. C'est le cas avec Guillaume et Louis, parce qu'ils sont dans cette même logique du produit francilien, d'aller utiliser une farine d'Île-de-France, d'aller utiliser, comme nous, le sucre aussi, d'une sucrerie à 15 km d'ici. Voilà, c'est toute cette richesse qui est intéressante à développer. Notre envie, c'est vraiment de faire perdurer des spécialités locales, d'être le plus proche de la nature. Et là, avec le coquelicot, c'est l'illustration parfaite. C'est une fleur sauvage, et derrière, c'est bon, ça a du goût. Le coquelicot, ça reprend toutes les valeurs qu'on essaye de transmettre. Et venir ici, encore aujourd'hui, c'est comprendre comment tout ça est fait, depuis la cueillette jusqu'à la transformation. Et c'est très important de jamais perdre ce lien, quoi. Les deux associés quittent maintenant la Seine-et-Marne en direction de leur ferme dans les Yvelines. C'est à Crépierre, sur l'exploitation des parents de Guillaume, qu'ils ont installé leur biscuiterie il y a 5 ans. Depuis, ils emploient une dizaine de salariés.
Cet après-midi, il prépare des sablés au goût coquelicot. Là, c'est l'ultime ingrédient, notre sirop de coquelicot, qui va donner ce bon goût fruité à notre biscuit. La pâte doit être pétrie pendant 3 minutes. Ah, ça sent bon. Le sirop dégage sa petite odeur. Donc là, la pâte est bien pétrie. On est vraiment, on obtient quelque chose de bien homogène, bien travaillé. Et du coup, on va pouvoir... Hop, voilà. Donc là, on a vraiment obtenu la texture de pâte qu'on voulait. On a déjà une saveur assez gourmande. Alors, c'est pas encore cuit, mais on a presque envie de croquer dedans. Et, d'ailleurs, ça se goûte. Hein. Comme ça, c'est très bon. Et on a déjà ce goût du coquelicot qui se développe. C'est délicieux. À chaque fournée, il prépare 50 kg de pâte pour 10 000 biscuits. Avant d'arriver au bon dosage, les deux amis ont dû faire leur gamme. Nous, on n'était pas du milieu à l'origine. On est appris en commençant de zéro. Et puis, on est un peu autodidacte. Donc, c'est vrai qu'on fait à notre manière. On n'a pas eu de formation particulière, si ce n'est un peu de patience. Et puis, aller chercher de l'expérience à droite à gauche. On a travaillé avec un boulanger à nos débuts, qui nous a aidés, qui nous a conseillés. On a eu une pâtissière aussi, qui nous a filé quelques très bons conseils. Et ensuite, on a appris tous les deux sur le tas. C'est des journées et des nuits entières passées parfois à trouver la bonne recette. Parfois, c'était drôle et parfois, c'était pas terrible. Voilà. Mais néanmoins, là, on est arrivé à des recettes qui étaient bonnes, gourmandes, ce qu'on est, ce qu'on avait envie de transmettre. De toute façon, on s'améliore continuellement et c'est le but. Quoi. Après 25 minutes de cuisson, les sablés sont prêts. Il faut toujours vérifier que la cuisson est bonne, que la texture est excellente aussi. Mmh. Ouais, c'est bon. Hein. C'est très bon. On a vraiment la saveur du coquelicot qui embaume. Après la cuisson, ça se révèle, là, on est vraiment embaumé de la saveur. C'est absolument délicieux. À une centaine de kilomètres au sud-est de Crépierre, un autre jeune homme, un berger, préserve lui aussi le terroir dans la forêt de Fontainebleau. Cet ancien domaine de chasse royale est le plus grand massif forestier d'Île-de-France. Depuis 2015, Alexandre Fauché est installé avec ses brebis au cœur de cette terre, classée forêt d'exception. Il fait revivre une tradition pastorale disparue au début du XXe siècle. Je cherche une brebis malade. J'ai une brebis qui va pas bien et du coup, j'aimerais en savoir un peu plus. Et là, je la vois pas. Donc, ça veut dire qu'elle a changé de place. C'est déjà une bonne... Ça peut être un début de bonne nouvelle. À 26 ans, le berger est à la tête d'un cheptel de 300 brebis et de 300 agneaux, dont il vend la viande en circuit court à des clients de la région. Incroyable, elle a disparu. Après 20 minutes de recherche, Alexandre repère enfin la bête malade. Elle n'était pas du tout là où je l'ai trouvée tout à l'heure. Donc évidemment, on pouvait tourner un moment. La température d'une brebis, c'est entre 38,5 et 39,5. Et elle, là, elle a 41,8. Donc, a priori, il y a un truc qui va pas. Ou alors, ça peut être une maladie à cause des tiques. Ça, on peut pas trop savoir.
Pour stimuler sa brebis, le berger lui injecte une dose de vitamine. Quand tu es berger en Île-de-France, tu es surtout vétérinaire parce que les vétos ici, ils savent soigner les chiens, les chats, les chevaux, les serpents, les mygales, les tortues. Mais quand tu leur amènes un petit ruminant, ils sont perdus. Ouais, t'es un peu obligé d'être véto aussi. Le jeune homme travaille sur le domaine de Fontainebleau en partenariat avec l'Office national des forêts. Il profite des terres pour développer son élevage et en échange, fait pâturer ses brebis sur des zones envahies par des plantes parasites. On est sur une ancienne lande à Calune. Donc la Calune, c'est ça. Et elle est en train de se faire manger progressivement par ça, par les pruneliers qui étouffent et qui font disparaître cet habitat. Et ça, les brebis, elles mangent le prunelier? Elles vont manger le bout des rameaux, comme ça, petit à petit. Elles vont, en passant à côté, y a les branches, elles vont se prendre dans la laine, ça va les arracher. Et donc, en plusieurs années, on va avoir progressivement le milieu qui va s'ouvrir gentiment, quoi, petit à petit. C'est pas... contrairement à un tracteur, t'arrives avec un tracteur, un broyeur, là, en deux heures, t'as fini. Y a plus... C'est un golf, quoi. Alexandre prépare maintenant un nouvel enclos pour son troupeau. Il le déplace régulièrement de parcelle en parcelle sur une même zone. Cet après-midi, il est aidé par la responsable diversité de l'Office national des forêts. Gaëtan Hay a défendu cette idée d'éco-pâturage pour remplacer les machines. Le broyeur mécanique, ça va laisser ce que ça a coupé au sol. Donc, ça va être un sol très ombragé. Rien ne va reprendre dessous. Et en plus, qu'est-ce qu'on a de plus avec les moutons? Le mouton, il pâture super bien. Il ne va pas couper au même niveau. Il va aller chercher, quand il va trouver une bonne pousse d'aubépine, il va aller la chercher jusqu'à la racine, je dirais. Donc, on est sûr qu'elle ne va pas reprendre immédiatement l'année d'après. Et en plus, il va faire des déjections. Et les déjections de moutons, elles vont intéresser toute une autre faune et flore. Les coléoptères vont aller, les petits bousiers, vont aller manger ces crottes de moutons, se nourrir, exister, se développer, et les oiseaux vont venir manger ces insectes. Donc on a recréé tout un écosystème dynamique de lande ouverte. Aujourd'hui, Alexandre est le seul berger à être installé dans une forêt francilienne. C'est très dur de trouver des bergers qui sont capables de faire ça, parce qu'il faut vivre ici. Alexandre vit ici pendant 6 mois, dans la forêt, tout seul. Donc c'est assez difficile. Et puis, c'est ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Alexandre a aimé ce travail et on a pu aussi travailler avec lui. Donc il y a eu aussi une rencontre de personnes qui a bien fonctionné. Hop ! Voilà ! J'ai grandi à Melun, dans un immeuble. Mes parents m'emmenaient, quand j'étais gamin, on allait souvent dans la nature, en forêt de Fontainebleau aussi, pour se balader. Petit, j'avais aussi les rêves d'avoir une ferme, des animaux, tout ça. Bon. Après, en grandissant, t'es pas fils de paysan, alors t'oublies un peu ces rêves-là. La vie d'Alexandre a basculé lorsqu'il a rencontré une bergère qui travaillait dans la région. Un BTS protection de la nature en poche, il passait alors la plupart de son temps dans un bureau. Il y a eu un déclic en moi où je me disais, mais ça me plaît, quoi. Là, quand je suis là, ici, avec ces brebis, à lui filer un coup de main, à être dehors, je me suis senti vachement mieux, quoi. Enfin, j'ai eu le virus du mouton. Quelques jours plus tard, c'est un moment important pour le jeune berger. On part direction nos nouvelles pâtures. La ressource commence à manquer, donc on déménage.
On va à 5 km au sud. Les transhumances ont lieu toutes les 6 semaines. À gauche ! À gauche ! Mais ce matin, tout ne se passe pas comme prévu. Alors les filles, Jeff, ciao ! Et alors ? À droite, droite ! Elles ont pas bien mangé hier. Du coup, là, elles pensent qu'à une chose, c'est bouffer. Et du coup, bah là, t'as 300 ventres qui sont comme des petites folles. Après 15 minutes de marche, Alexandre s'approche de l'endroit qu'il redoute le plus. Une route départementale qu'il va devoir traverser avec son troupeau. Pour l'aider à bloquer les voitures, une dizaine de volontaires est venu l'épauler. Oh là là ! Oh là 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 ! Il faut 5 bonnes minutes au berger et à ses assistants d'un jour pour faire passer le cheptel en toute sécurité. Les routes, c'est le côté compliqué qu'il y a en Île-de-France. C'est que des trames de transhumance simples, il n'y en a pas, quoi. Les bénévoles, tous des habitants des environs, l'accompagnent pour les 4 derniers kilomètres. C'est sympathique d'aider un jeune qui essaye de se lancer dans de l'élevage, comme ça. Et puis aussi parce que ma chienne est un chien de berger, donc du coup, elle a toute son utilité ici, quand elle a décidé de travailler. Alexandre veille à ne pas se tromper de chemin. Il doit composer avec plus de 500 km de sentiers balisés. Les plus vieilles brebis, elles connaissent toutes les transhumances qu'on a déjà faites. Elle a la carte dans la tête et elle connaît le chemin. Et en fait, bah, tu te rends compte que toi, t'es là en train de regarder ta carte, de regarder les panneaux, de chercher. Et les brebis, en fait, elles sont déjà en train de s'engager dans le bon chemin. Donc c'est assez marrant. C'est assez marrant à voir. Donc là, c'est une transhumance qu'elles sont en train d'apprendre. À peu près en même temps que moi, mais elles l'apprendront plus vite que moi. Après 3 heures de marche, le berger et ses brebis arrivent enfin sur la nouvelle terre à pâturer. Ce qui est vraiment excitant ici, c'est que bah, ça fait presque un siècle que les bergers ont disparu. Et du coup, y a le challenge, il est de réinventer la poudre, quoi. On ne travaille pas ici sur des acquis qui se sont transmis de génération en génération. On est là à essayer à tâtonner, à trouver, à comprendre comment les milieux ils fonctionnent pour que les brebis elles aient à manger toute l'année. Voilà ce qui me plaît particulièrement ici. Retour dans les Yvelines avec Guillaume Caffin, l'un des 2 biscuitiers. Il est en route vers l'un des 40 ruchers qu'ils ont installés dans la région. En 2016, ils se sont lancés dans l'apiculture. C'est un jour important. Guillaume va participer à la première récolte de miel de l'année. À la fois, je suis super emballé, puis en même temps, il y a une petite appréhension parce que on ne sait pas ce que nous réserve la nature. Donc, on sait que nos colonies, que nos abeilles vont bien, qu'elles se portent bien, mais ont-elles fait suffisamment de miel pour qu'on puisse leur en prendre un petit peu ? Voilà, c'est toute la question. Aujourd'hui, il se dirige vers des ruches installées à l'orée de la forêt de Rambouillet. C'est l'un des plus grands massifs forestiers d'Île-de-France. Il y a plus de 20 000 hectares de forêt et c'est d'abord réputé et connu
pour son chêne. Et ça, dans le miel, ça apporte un goût extra, un goût très fort. On peut aussi trouver un petit peu de châtaignier et ce mélange, en ajoutant un petit peu de ronces, c'est la recette idéale pour notre miel de forêt. Ce qui est super intéressant, c'est que à chaque ruchée, sa spécificité, parce que dans le miel, en l'occurrence, chaque terroir a directement un impact sur la qualité du miel, sur sa saveur, sur... Donc c'est le terroir qui fait vraiment le goût du miel. Les deux biscuitiers se sont associés avec Antoine Edouin, un apiculteur autodidacte de 22 ans. Ça va ? Ouais, toi ? Ouais, super. On est en pleine récolte, je te conseille de te protéger, les abeilles sont okay. Un petit peu agressées avec ce temps orageux. Ok, super. Je m'équipe. Vaut mieux pour toi, Fiki. Tu mettras des gants une fois arrivé dans le rocher. Donc là, les hausses sont bien pleines. La récolte de printemps s'annonce plutôt bonne. Depuis l'enfance, le jeune homme voue une véritable passion aux abeilles. Moi, j'y vais à main nue parce que c'est vraiment un travail bien plus respectueux de l'abeille. Je me fais piquer, effectivement, mais les piqûres font partie du métier. On apprécie de se faire piquer. C'est vraiment être au contact de l'insecte. Et là, ce qui est vraiment très agréable, c'est de ressentir la chaleur du miel, la chaleur du couvain, la chaleur des abeilles, la chaleur de la ruche. Là, par exemple, on voit... Waouh ! Il y a beaucoup d'abeilles. Hein. Là, il y a vraiment beaucoup d'abeilles. On peut les toucher, voilà. Elles sont absolument pas agressives. On a un geste respectueux. Là, on peut caresser nos abeilles sans aucun souci, par exemple. Il n'y a vraiment pas de problème. Là, on peut regarder les alvéoles. Voilà, on n'est pas du tout sur une abeille qui est agressive. Avant de commencer la récolte, Antoine vérifie que ses colonies sont en bonne santé. Donc là, on va essayer de trouver la reine. Là, on regarde, on a des cellules. Et la reine est là. Ici. Ah, tu l'as marquée ? La reine est marquée. Nous marquons toutes nos reines, non seulement pour connaître leur origine, mais aussi pour connaître leur âge. Et pour nous, quand on travaille dans une ruche, on veut absolument préserver notre reine. Donc là, l'avantage pour nous, c'est de pouvoir la voir immédiatement, de pouvoir faire attention à elle, de pouvoir la trouver. Le jeune apiculteur a fabriqué son premier miel à l'âge de 7 ans. Et depuis, à chaque début de saison, c'est la même excitation. Le miel de printemps, c'est vraiment la première récolte de l'année. On attend vraiment cette récolte avec impatience. On prépare nos ruches depuis le mois de juillet précédent pour cette récolte de printemps. Donc, quand on ouvre nos ruches au printemps, on a vraiment toujours ce petit pincement en se disant « Espérons que nos abeilles soient productives. Espérons pour elles qu'elles réussissent à sortir de l'hiver en bonnes conditions. » À chaque fois qu'on ouvre une ruche, c'est un cadeau, finalement, un cadeau de Noël. On ouvre un cadeau de Noël, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Antoine repère du premier coup d'œil les fleurs de saison butinées par ses abeilles. Donc là, ici, par exemple, on a des pollens de fleurs sauvages, du pollen de colza, par exemple, ici. Okay. Et le pollen qui est noir, ce n'est absolument pas intuitif, puisque c'est du pollen de coquelicot. Donc là, on a vraiment une grande diversité de pollen qui indique que le rucher est situé dans un environnement non seulement qui est riche en fleurs, mais en plus qui est riche en fleurs diversifiées, ce qui est très important. C'est cette variété de pollen qui donne tout son goût au premier miel de l'année. Génial. C'est quand même incroyable de goûter ça à l'état brut, quoi. C'est le meilleur miel, celui de la ruche. Là où le miel est le meilleur, c'est véritablement dans la ruche. Le miel est encore chaud à la température de la ruche. Ça a vraiment un goût qui est indescriptible. Ça n'a rien à voir avec la dégustation d'un miel dans un pot. Là, on est vraiment dans une autre dimension. On goûte vraiment un miel chaud qui a l'odeur de la ruche. C'est vraiment complètement différent. À la fin de la journée, ils auront récolté 900 kilos de miel. Dans quelques jours, les premiers pots seront mis en vente. Une semaine plus tard, les deux biscuitiers arrivent au marché de Versailles pour y installer leur stand.
Les marchés, c'est quelque chose qu'on a toujours fait. La toute première vente de nos biscuits, c'était sur un marché à Paris. Donc c'est quelque chose auquel on est habitué. On a fait les marchés de tous les villages de la région. Et c'est vraiment comme ça qu'on a commencé. Donc c'est quelque chose auquel on est vraiment attaché. Depuis 4 siècles, ce marché vit au rythme des commerçants. C'est l'un des plus beaux de la région. Vous avez déjà récupéré le pot ? Ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'il est important aussi. Avec le temps, les associés ont réussi à développer une clientèle d'habitués. Et à susciter la curiosité des étrangers. C'est très bon. C'est vraiment délicieux. Vous venez d'où ? Je viens des États-Unis. Ok. Et ma soeur vient aux Philippines. C'est incroyable. Le goût est vraiment unique. C'est tellement bon que je voudrais manger tout le paquet. Ces clients vont repartir avec des petits paquets de biscuits qu'ils pourront offrir là-bas à leurs amis, et ce sera la meilleure façon pour eux de faire découvrir notre région. Voilà. C'est super flatteur, je pense, que le souvenir, l'un des souvenirs qu'ils vont rapporter, ce soit l'un de nos produits. Donc, Gâtinais le plus doux, fleur de prairie, printemps, fleur de verger, toute fleur, donc c'est de la plaine de Versailles, et le forêt. À quelques centaines de mètres du marché, se dresse le château de Versailles. Sans lui, jamais la ville n'aurait vu le jour. À l'arrivée de Louis XIV, elle comptait 1000 habitants. À la Révolution, plus de 50 000 âmes. L'architecte Frédéric Didier est en charge depuis plus de 20 ans du château et des plus beaux monuments de Versailles. C'est un endroit qui est inaccessible au public parce qu'en fait, on est au cœur du château, mais de là, on va pouvoir découvrir la ville et comprendre quel est son rapport avec le château. La ville est en quelque sorte le prolongement du château, donc elle doit être en mode mineur par rapport au château. Le château est sur une colline, donc il domine naturellement, il est plus élevé que le reste de la ville, et il y a une injonction en fait qui empêche de dépasser le niveau qui est en fait celui qu'on voit, le niveau des grandes et petites écuries. Donc c'est une ville assez basse. Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'on voit que le seul édifice qui dépasse, c'est l'hôtel de ville. Et l'hôtel de ville a été construit en 1900, parce que la municipalité de l'époque a voulu marquer justement son émancipation, un peu plus de 100 ans après la Révolution, par rapport au château. Donc il y a véritablement là une sorte de démonstration de pouvoir, comme quoi le roi ordonne et organise l'ensemble de l'espace. C'est en quelque sorte un démiurge hein, qui commande en fait aux éléments et qui est capable de faire naître, de là où il n'y avait rien, une cité ordonnée et organisée. Pour réaliser son rêve de cité idéale, le roi Soleil fait appel au plus grand. L'architecte Levaux et le paysagiste Lenôtre dessinent les contours de la première des villes nouvelles. Trois coulées vertes symétriques, appelées communément le Trident, font partie intégrante de l'identité de Versailles. Ce qui est majestueux ici, c'est la façon dont les vides sont organisées. Vous voyez, ces contre-allées absolument extraordinaires qui faisaient donc, au centre l'allée Cavalière, et là, c'était des grands tapis verts. Hein. Aujourd'hui, c'est bitumé, mais c'était en herbe, tout ça. Et ça permettait aussi d'avoir une déambulation et une promenade ombragée, donc, qui permettait aux gens de se montrer. Ces avenues n'ont aucune raison d'être aussi larges, si ce n'est justement pour l'ordonnance générale, la perspective et l'agrément. Finalement, la ville est encore plus belle par ses vides que par ses pleins.
Et on le voit très bien sur le tableau de Patel peint en 1668 qui représente le château et le départ de la ville. Et on comprend ce rapport où vous avez le château royal et puis vous avez les maisons des courtisans. Frédéric Didier est attendu à quelques centaines de mètres du château, sur un site emblématique, la cour d'appel. Demain, les échafaudages vont être démontés après 5 ans de travaux de restauration. Alors, on va aller voir le fronton. Cette lucarne RAS, elle était bien finie. C'est de... Donc tout ça, ça n'a pas encore essuyé. Hein. Exactement. On est obligé. Donc il y aura des retouches à faire. On a des retouches. Hein. Tout ça, c'est voilà. Pas. L'humidité a fait ça que. Va pas être bon. Bon, ça c'est nickel. Ça non, ça c'est pas nickel. Une reprise de joint à faire. Ouais, petite reprise de joint là, parce que regardez. D'accord. C'est la fin d'une résurrection pour ce bâtiment. C'était un des lieux les plus dégradés de Versailles, alors qu'au niveau histoire, c'est un bâtiment qui est les premières écuries du roi, ensuite devenu écurie de la reine, puis caserne, puis cour d'appel en 1974 seulement. Il y avait tellement de pierres à changer qu'il y a des endroits où on a presque été obligé de reconstruire des portions de façade. Et surtout, ce qu'on a fait, c'est retrouver la polychromie brique et pierre, qui est vraiment si typique de Versailles. Il faut pas oublier que ça, c'est vraiment la ville de Versailles telle qu'elle était voulue par Louis XIV, et ce bâtiment est totalement emblématique de ça. Le quartier Notre-Dame devient le centre de la ville neuve. C'est alors le poumon économique de Versailles. Ici, on était dans le cœur de ville. Donc pour le cœur de ville, il fallait finalement avoir des commerçants, il fallait avoir en fait des forces économiques. Et là, on est plutôt, si vous voulez, dans la bourgeoisie commerçante la plus huppée de Versailles. Parce que c'est comme ça que la ville prend, en fait. Hein, c'est par les échanges. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a du monde qui passe, il faut nourrir une population, il y a des gens qui achètent. Il y a déjà des touristes, puisqu'on vient au château voir le roi. Donc il y a énormément, énormément de brassage dans cette ville. À peine installé, Louis XIV ordonne l'édification d'une première église, Notre-Dame. Il faut nourrir les bouches, mais également, il faut nourrir les âmes. C'est une église qui est construite par Jules Hardouin Mansart, donc très belle. Et d'ailleurs, ça va être la paroisse royale, puisque à ce moment-là, la chapelle du château est une chapelle privée. Et donc, c'est bien là, pour les grandes fêtes et les grandes cérémonies, que le roi vient dans cette église. Cette ville est très mal connue, parce qu'elle est à l'ombre du château et qu'en en fait, à l'ombre des grands arbres, rien ne pousse. Donc, elle passe pour être une ville sans monuments. Non, c'est pas vrai du tout. On a justement un patrimoine extraordinaire, mais ce patrimoine, c'est vrai qu'il est un peu difficile à appréhender. Il ne se visite pas forcément facilement parce qu'il a d'autres usages. Comme l'espace Richaud qui se dévoile au cœur du quartier Notre-Dame. Cet ancien hospice, voulu par Louis XVI, accueille aujourd'hui des appartements privés et un jardin public. C'est Frédéric Didier qui a supervisé la transformation de l'édifice. C'est l'ancien hôpital royal qui a été construit à la fin du XVIIIe siècle par l'architecte Darnaudin. Darnaudin, qui est un très bon architecte, développe un vocabulaire néoclassique très austère. Et en même temps, c'est extrêmement sobre, c'est extrêmement dit, c'est presque moderne. Et ça ne vieillit pas. C'est-à-dire que c'est intemporel. Ça participe d'une époque où pratiquement c'était un langage international et universel. Dans le dédale des rues, certaines merveilles architecturales restent à l'abri des regards. Bonjour Colette. Bonjour Frédéric. Comment allez-vous? Cette villa privée a été fidèlement restaurée par un couple pendant plus de 20 ans. Voilà. Quelle merveille! C'est l'ancienne demeure de l'intendant de Madame de Pompadour.
À l'époque, c'était un lieu de folie appelé Vide-Bouteille, dédié aux réceptions et aux amusements. Ici, vous êtes dans un endroit qui a survécu, et c'est une chance absolument extraordinaire. Alors, c'est une maison qui a une architecture très simple, mais qui est à l'intérieur, c'est comme la perle dans l'huître, c'est-à-dire que vous avez vraiment un raffinement, une élégance, la grâce du XVIIIe siècle. Donc ici, c'est la salle à manger. Là, le salon, la pièce donc centrale de la maison, avec double hauteur et d'admirables boiseries Louis XV qui sont dignes du château. Et d'ailleurs, la cheminée que vous avez ici, qui est en marbre de griotte, qui est le marbre qui était le plus précieux qu'on avait au XVIIIe siècle, c'est ce qu'on retrouve dans les appartements du roi au château de Versailles. Donc on est certainement avec les mêmes artisans qui travaillent pour les bâtiments du roi, bon, Madame de Pompadour. Donc on est dans l'esprit, effectivement, du château ici, mais avec une amabilité, une grâce. Quand je suis arrivée ici, je suis restée sans voix. Mais je me suis dit, c'est trop compliqué pour moi. J'y arriverai pas, je connais pas cette chose et il y a trop de choses à faire. Déjà à nettoyer, à restaurer. Maintenant, ça va. La salle de repos abrite un joyau, des chinoiseries de l'ornemaniste Pillemont. Elle recouvre les murs de l'alcôve. Le XVIIIe siècle français. C'est vraiment là où on invente quelque part la qualité de la vie privée. C'est-à-dire que le 17e vit beaucoup plus en représentation. Et ici, on n'est pas dans un lieu de représentation, on est dans un lieu, en fait, de l'intimité. Il y a là une sorte d'enseignement, encore une fois, sur l'art de vivre au 18e siècle. Et cette maison est un véritable témoignage de cet art de vivre et qui reste spontané parce que c'est toujours une maison habitée. Et c'est ça qui est formidable. Pour Frédéric Didier, le plus bel édifice de Versailles est une chapelle édifiée dans la cour d'honneur de l'actuel lycée Hoche. Elle fut construite à la demande de Marie Lesinska, l'épouse de Louis XV, dans ce qui était à l'époque un couvent pour des jeunes filles de la noblesse. Depuis plus de deux siècles, les élèves peuvent admirer ce monument de l'esthétique du 18e. Pour moi, ce lieu est vraiment un chef-d'œuvre d'intelligence et de beauté. Et c'est un choc à chaque fois que je viens. Et d'avoir restauré cet endroit a été quand même une magnifique aventure. Parce que je crois qu'il n'y a sans doute pas de plus bel exemple du renouveau de l'architecture religieuse à la fin du XVIIIe siècle, cette chapelle à plan centré en croix grecque, vous voyez la qualité de la lumière qui baigne en fait tous ces espaces, il y a une intelligence, il y a une sérénité et en plus les détails sont superbes, comme par exemple ici la scène tout à fait tragique de la déploration sur le Christ mort, où vous voyez la Vierge qui semble sortir du cadre avec sa main. Ça fait partie des choses qui mettent en mouvement cet endroit qui pourrait paraître erratique et qui le rendent finalement extrêmement proche. Il y a une échelle qui est ici à la fois grandiose et en même temps terriblement humaine. Cette œuvre est la première grande réalisation de l'architecte Richard Mick. Elle révolutionne alors l'architecture religieuse. Tout est novateur ici. Par exemple, les fenêtres. On s'attendrait à avoir des vitraux, mais pas du tout. Ces fenêtres ont des grandes vitres, hein, très simples. Ce sont des menuiseries comme des menuiseries civiles. Donc ça permet d'avoir une lumière qui est très, très vive et qui baigne complètement. On a également la lumière qui arrive par les oculi qui sont là-haut et donc qui donne un éclairage mystérieux sur le chœur. Donc finalement, on est complètement dans une lumière tamisée, douce, mais en même temps qui baigne la totalité de l'édifice et qui crée partout des surprises.
Frédéric Didier a restauré un autre édifice religieux, le plus majestueux de Versailles, la cathédrale Saint-Louis. Le trésor de cette église est dissimulé sous le dôme du monument. Une ossature en bois de chêne, spectaculaire. Ici, c'est un lieu où personne ne va, de toute façon, où personne n'est jamais allé. On est dans les charpentes, mais ce qui est fantastique, c'est que c'est une église au-dessus de l'église. Ce dôme qu'on voit à l'extérieur, en fait, il n'est pas du tout connecté avec l'espace intérieur. Et ici, tout est d'origine. C'est-à-dire que rien n'a changé depuis 1664, à part l'électricité. C'est tout. Toutes les charpentes sont absolument magnifiques. On se croirait dans un grand vaisseau. On a en plus plein de traces encore. Ça, c'est des numérotations de certaines pierres. Il y a des graffitis, des compagnons qui ont travaillé ici. Donc il y a toute une tranche de vie un petit peu secrète de la cathédrale qui est ici. On voit très rarement ces escaliers qui sont des tours de force de la part des compagnons charpentiers, c'est-à-dire sont des bois qui sont courbés, entièrement retaillés. C'est ça qui est absolument extraordinaire dans ces traditions des métiers d'art et des savoir-faire au XVIIIe siècle, c'est que même ce qui est caché doit être beau. Et donc, on a un sens des proportions, un certain raffinement dans la simplicité. C'est un lieu qui est quand même tout à fait émouvant de penser qu'on a là cet immense volume et qui, j'allais dire, ne sert à rien. C'est la belle inutile. La complexité des escaliers ici, c'est étonnant. On passe d'un escalier à l'autre. Il faut encore grimper quelques marches pour atteindre le point haut de l'édifice. Ce que vous avez sous les yeux, c'est une ville de Louis XIV, Louis XV, de Louis XVI. C'est une ville de toutes les époques. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette ville neuve, elle n'a jamais dépassé ses limites. Il n'y a pas de faubourg, de banlieue. On est vraiment dans un ensemble fini, ce qui fait qu'on pénètre dans un autre monde. Et ce qui est fascinant ici, c'est que la puissance de la conception a été tellement forte que finalement, elle est restée et elle continue de faire de ce lieu un lieu unique. Le lendemain, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Versailles, une brume matinale recouvre la Seine. Julien Masson est guide du parc naturel régional du Vexin français. Ben ici, sur le petit bras de Seine, au départ de Vétheuil, on est très rapidement dans une nature assez profonde, encerclée d'une belle forêt. Et la navigation au fil de l'eau, le calme du matin, comme on peut avoir la chance de cette ambiance-là qu'on a ce matin. Regardez ça, là, c'est une lumière qui se lève sur les coteaux calcaires. J'ai l'impression d'être privilégié. Bien sûr, de pouvoir naviguer dans ce calme, cette ambiance. On est à 50 km de Paris ici, et cette nature s'éveille. C'est ce qui fait de l'Île-de-France un joyau naturel encore méconnu de la part des Parisiens. Julien est préoccupé par l'état des berges 6 mois après les grandes crues de l'hiver. Sur des kilomètres de rive, des arbres se sont couchés et des déchets charriés par le débordement du fleuve sont accrochés à la végétation.
Alors là, ben, je nettoie les branches. Les pauvres, elles sont saisies dans le plastique. Hein, on peut, du coup, avoir une petite idée du niveau de l'eau atteint lors du pic de la crue. Ce travail est très long et il n'y a qu'une seule possibilité, c'est à la main, en bateau, au fil de l'eau. Oh, Bert. Pour l'aider dans ce travail fastidieux, Lindsay et Caroline, deux passionnées de randonnée en canoë, sont venues lui prêter main forte. Ok, voilà, très bien, super. On a presque rempli de sacs. Oui, 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 c'est bien. Oh, ça va vite, ça. On a juste besoin d'un petit peu de bonne volonté, un petit peu de temps. C'est vrai, quand on arrive le premier jour, on se dit « oulala, dis donc, il y en a beaucoup, beaucoup, on n'y arrivera jamais. Ouais, » Et puis en fait, au bout de quelques heures, on voit ce qu'on fait. Et un marbre comme ça, si on vient, on peut le faire en une petite heure, je pense, à peu près, même moins. Ouais. Et le soir, quand on repart, on voit vraiment ce qu'on a fait. C'est assez gratifiant. Je peux mettre une barre. Tant si c'est pas nous qui le faisons, personne va le faire à notre place. Donc autant mettre la main à la pâte. Le but, c'est de rendre le plus rapidement possible ces lettres de noblesse à ce petit coin de paradis dans le cœur du Vexin. Il n'y a rien de plus beau que de voir se reposer des hérons, des martins pêcheurs sur des branches qui, quelques heures auparavant, étaient complètement sous le plastique. En quelques heures, grâce à l'aide des deux bénévoles, le petit bras de Seine retrouve sa beauté d'avant la crue. En descendant le fleuve, des falaises de craie se révèlent et les anciennes habitations troglodytiques apparaissent dans le village de Haute-Île. Des corps tout à fait typiques, des boucles de la Seine à l'aval de Paris, en direction de Rouen. On va trouver plusieurs amphithéâtres de ce type, avec ce décor de craie, de falaise crayeuse, appelé pinacle. Ben là, justement, un des décors particulièrement somptueux de la vallée. On aperçoit ici Notre-Dame, l'église Notre-Dame de l'Annonciation, une des cinq églises troglodytiques qu'on a la chance de pouvoir trouver en France. Seul le clocher est en maçonnerie. Le reste de l'édifice est taillé dans la roche, comme la nef qui se devine depuis le fleuve. C'est surprenant parce que le paysage est assez unique avec ces falaises blanches qu'on ne retrouve pas ailleurs, je pense. Le contraste entre la verdure et la pierre, enfin le calcaire, est assez saisissant. Et la Seine et la géologie font que la boucle de la Seine est assez unique à cet endroit. Le groupe atteint ensuite l'un des plus beaux sites du Vexin. On arrive à la Roche-Guyon. La Roche-Guyon et son donjon médiéval qui surplombe le village et le fleuve. Alors ici, on est vraiment à la frontière de l'Île-de-France. Juste derrière, c'est la Normandie. Donc la vallée de l'Epte et la frontière normande se trouvant juste de l'autre côté. Le donjon et ça a été construit en tant que place forte pour contrôler les éventuelles incursions des Normands. Dressé sur la falaise, le donjon construit au XIIe siècle domine la vallée. Il surplombe un château qui a été bâti 200 ans plus tard. Il appartient à la même famille, les La Rochefoucauld, depuis le XVIIe. Julien y retrouve l'historien Daniel Vaugelade. Ils empruntent le long souterrain et ses 350 marches qui relient le château au donjon. C'est un escalier qui est creusé à même la falaise, comme les mineurs savaient le faire dans les carrières. On imagine au pic et au marteau, comment on a pu creuser un tel tunnel. Ça devait être un travail vraiment colossal. Exactement, c'est très sportif finalement. Ça peut Après 10 minutes de montée, les deux hommes arrivent au pied de la tour. Allez, courage, Julien.
Et bientôt arrivé au sommet du donjon. C'est avec Daniel que le guide apprend les secrets des sites qui jalonnent ses randonnées. Allez, cette fois-ci, c'est vraiment les dernières marches, là, j'ai l'impression, Daniel. Ouais. Hein? Voilà, au sommet du donjon actuel. Waouh. Bon. Allez, on est en 189. Là, tu as la France. Là, tu as l'Angleterre. L'Angleterre juste derrière. Juste derrière. D'accord. On est sur la frontière entre la Normandie, qui en fait appartient au roi d'Angleterre. Uh-huh. Et puis ici, vous avez Philippe Auguste, le roi de France, qui convoite le territoire. Ce donjon a la particularité d'avoir ce qu'on appelle un éperon, c'est-à-dire une pointe fortifiée très épaisse qui fait face à la colline. Parce que, en fait, le point faible du château, il n'est pas vers la Seine, il n'est pas vers la falaise, parce que là, il est inexpugnable. Le point faible, il est si les ennemis arrivent par la colline et qu'avec les machines de guerre, ils essayent de détruire les murailles. Donc, pour fortifier et rendre ce château parfaitement imprenable, pour pouvoir résister aux assauts des machines de guerre, on a construit un éperon très épais, qui fait que les boulets de pierre, hein, qui étaient très très gros, hein, lancés par des catapultes, eh bien, rebondissaient sur l'éperon et ne fracassaient pas la muraille. Le guide et l'historien quittent la Roche-Guyon et prennent la direction d'autres châteaux du Vexin. Cette région naturelle, au nord-ouest de l'Île-de-France, marque une frontière historique avec la Normandie et la Picardie. Daniel et Julien empruntent le vaste plateau calcaire qui domine la Seine. Ils s'approchent de la vallée de l'Epte, aux confins du Vexin français. Je suis né au bord du Vexin, je suis né dans la boucle de Moisson. Les collines du Vexin, ça a été vraiment le paysage que j'ai toujours eu sous les yeux. C'est mes repères, c'est les collines, c'est le château de la Roche-Guyon, c'est Vétheuil. Donc je suis un francilien amoureux du Vexin. C'est vraiment une sorte de mosaïque avec une diversité à la fois des paysages, une diversité des architectures. On change tout le temps de paysage. On a toujours des horizons cachés. Ce n'est pas comme dans les grandes terres de Beauce où on a des champs à perte de vue et où on a des grands horizons. Ici, les horizons sont toujours cachés, c'est sinueux. Il faut toujours aller à la découverte de quelque chose. Les deux hommes longent la rivière qui serpente au fond d'une petite combe. Pendant des siècles, elle a servi de démarcation entre le royaume de France et son ennemi normand. Aujourd'hui, elle marque les limites de l'Île-de-France. L'historien veut dévoiler à Julien les secrets d'un site stratégique à Château-sur-Epte. Ils sont attendus par Franck Bûcher. C'est le président de l'association Héritage Historique. Bonjour, bienvenue à Châteauneuf-sur-Epte. Comment ça va ? Merci beaucoup. Ça va très bien, merci. Bonjour Franck. C'est un plaisir de vous accueillir tous les Avec deux. Une cinquantaine de bénévoles, ils restaurent le fortin. Il faut vous imaginer que quand on a commencé dans les lieux, tout ça c'était une forêt, on ne voyait rien. Les lieux avaient vraiment été laissés à l'abandon. Et c'était dommage, on ne pouvait pas laisser ça comme ça. Et donc on s'est vraiment mobilisé pour agir. Vous allez retrouver la première basse-cour, une deuxième basse-cour qui constitue la cour noble. Et vous allez voir juste après la haute cour avec le donjon ruiné au XVIIe siècle par Mazarin. C'est vraiment magnifique et c'est vraiment par les hauteurs qu'on comprend ce château-là. Eh bien, on y va tout de suite. Julien et Daniel gravissent l'ancienne motte castrale sur laquelle fut implanté le donjon en 1097. Oui, effectivement, on domine la vallée, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, exactement. OK.
avec donc cette frontière sans s'en apercevoir. On a traversé la rivière, on a quitté l'île de France et on est passé finalement dans le Vexin normand. Cette région a quand même été toujours une région de passage, que ce soit les Romains, avec la chaussée de César qui passe juste au-dessus, que ce soit les Francs qui s'installent dans le coin, et après avec les Normands. Mais les Normands ne sont pas les premiers à envahir le pays. Pour mettre fin à ces invasions successives, le roi de France a dû concéder à un chef viking un territoire immense en échange de la paix. On a signé un traité à Saint-Clair-sur-Epte, juste au bord de l'Epte, à quelques pas d'ici, qui a déterminé la division du Vexin en deux. Il y a une partie du Vexin qui est restée au roi de France, qu'on appelle le Vexin français. L'autre, qui a été attribué aux Normands, est devenu le Vexin normand. Près de 200 ans après le traité, les Anglais, qui dominent alors la Normandie, font de ce site une de leurs places fortes. C'est certainement le château le plus emblématique, le plus symbolique, le plus puissant que les Anglais aient tenu sur la frontière entre, finalement, la Normandie et la France. La vallée de l'Epte, autour ici de nombreux châteaux et de cette tour qu'on aperçoit, ce donjon qu'on aperçoit de partout dans la vallée, c'est évident. Il y a déjà de très beaux sentiers patrimoniaux. C'est évident que le petit arrêt et pouvoir pénétrer très prochainement ici dans l'enceinte du château, ça va être une halte phare d'une future randonnée. L'historien et le guide reprennent la route en direction d'un autre château. À partir du XVIe siècle, le Vexin devient une terre de loisirs. La proximité avec Paris et avec Versailles fait qu'il est facile d'accéder au Vexin et d'en repartir dans la journée. C'est par exemple ce qui se passe pour La Roche-Guyon, pour Villarceau. Le domaine de Villarceau s'étend sur un site exceptionnel de 800 hectares, niché au cœur de la vallée. La particularité de ce domaine, c'est justement sa diversité et sa longévité. Ça a commencé par un couvent de bénédictines, ensuite on a eu une motte féodale, ensuite un château du Moyen Âge, après des aménagements en Renaissance, ensuite un château 18e. Donc, en fait, on a une construction culturelle qui suit son époque. Ce n'est pas un château qui est mort, qui est figé. Là, on a une diversité d'histoire. Les monuments du domaine sont entourés de somptueux jardins, parmi les plus beaux de l'île de France. Ils font de Villarceau un magnifique écrin d'eau et de verdure. Écoute, je vais te faire découvrir les jardins d'eau. Allons-y, ça va nous rafraîchir un petit peu. Une trentaine de sources, des bassins, des fontaines, des étangs, une cascade. Dans ce parc de 70 hectares, l'eau est partout. Ce sont des jardins d'eau à la française. Au départ, c'était des jardins à l'italienne. C'est pour ça qu'on a des terrasses, que l'on a donc l'utilisation de l'eau, des cascades. Mais au XVIIe siècle, on est parti sur une mode de jardin à la française, comme on trouve à Versailles, avec des formes très structurées, taillées, la maîtrise de la nature. Donc on a à la fois Renaissance et jardin à la française. D'où justement l'intérêt, d'où l'originalité, parce que souvent on a l'un ou l'autre. Là, on a les deux. À la fin du Moyen Âge, les forteresses n'ayant plus d'utilité militaire, on va transformer les forteresses en palais et on va sortir des tours. On en a marre de guetter sur les remparts. Donc on s'approprie les jardins et le jardin devient une vraie prolongation des châteaux.
Et il devient aussi important que le château. Il est montré, il est à voir. Daniel et Julien entament la montée des 530 mètres qui séparent l'ancien monastère du château de style Louis XV. Ils gravissent un jardin en escalier appelé Vertugadin. Le Vertugadin, c'est une robe de femme très longue avec des grands plis. Et on a adapté ça au paysage. On a donc construit des jardins vallonné avec des franges. Et l'autre vertu du Vertugadin, c'est le fait de pouvoir, pour ces femmes avec leurs grandes robes, descendre vers le bassin pour aller se réjouir sur une promenade sur l'eau avec leurs grandes robes, en suivant des courbes parfaitement praticables, très douces, pour ne pas se fatiguer et pour ne pas abîmer leurs beaux habits. D'ici, on comprend complètement le dessin et je trouve ça fascinant. Alors, la perspective sur la pièce d'eau, là, c'est remarquable. Pour moi, c'est plein de poésie. Le temps s'est arrêté. C'est magique de venir se promener ici. À quelques kilomètres du domaine de Villarceau, Julien a rejoint un ami qui survole régulièrement le Vexin en montgolfière. L'aérostier veut lui faire découvrir la beauté des paysages au coucher du soleil. Tu peux enlever le ventilateur, s'il te plaît ? Ah, c'est parti ! Regarde l'ombre sur le bois, c'est superbe. C'est spectaculaire, c'est extraordinaire comme sensation. Le ballon se dirige d'abord vers la forêt d'Arty. Flirte avec la canopée, là, c'est fantastique. On va toucher les chênes. C'est complètement nouveau le fait de survoler cette forêt que je connais si bien, que j'arpente à pied, à vélo, toutes les saisons. La survoler, la canopée, c'est une sensation tout à fait étrange et fantastique. Dans cette partie du Vexin français, comme on peut le voir, c'est assez vallonné, boisé également. Là, on vient de quitter l'ancienne forêt royale d'Arty. Et puis, on se dirige là, actuellement vers les coteaux calcaires. On va plonger vers la vallée de Seine. On est entouré typiquement de terres agricoles. Le Vexin est représenté depuis toujours par des cultures céréalières importantes. On dit même qu'il a longtemps été le grenier à blé de Paris. Là, on est entouré, on le voit, de colza, encore bien jaune. Le blé qui commence à pousser maintenant. Donc là, on a vraiment le patchwork de ce que représente le Vexin français. Puis les deux hommes s'approchent de la vallée de la Seine qui s'est enfoncée dans le plateau calcaire. Là, c'est complètement dingue l'arrivée sur la boucle de Seine et le village de Véteuil, qu'on laisse sur notre gauche. On commence à deviner le clocher de Notre-Dame de Véteuil. Moi qui ai l'habitude d'être sur l'eau, puisque là, on surplombe le fleuve, le petit bras de Seine que l'on visite en canoë. Là, tout semble s'être figé en cette fin de journée. Le village de Véteuil a beaucoup inspiré Claude Monet. Le peintre s'y est installé en 1878 pour 3 ans.
On peut contempler Vétheuil également comme l'a fait Claude Monet, hein, puisqu'il, ici, sur, avec son bateau atelier, il a peint de nombreuses toiles. Sur ce bateau, Monet peut peindre le petit bras de la Seine en aval du village. Au total, il compose ici plus d'une centaine de toiles. Le chef de file des impressionnistes cherche à capter les reflets et la lumière si particulière du fleuve. On peut se mettre à la place de Claude Monet. On peut comprendre pourquoi il a été fasciné par Vétheuil. Là, c'est grandiose, c'est le top, c'est le summum du vol. Là. Un peu de hauteur au-dessus du fleuve. Julien Scavini est architecte de formation et passionné par le patrimoine aéronautique. Il décolle ce matin de l'ouest de Paris. Pour son dernier ouvrage sur les aéroports de la région, il a survolé tous les sites qui racontent cette grande histoire. Ce qui est très intéressant en Île-de-France, comme c'est le berceau de l'aviation, il y a de nombreuses traces visibles ou peu visibles de l'histoire aéronautique. Il y a beaucoup de monuments historiques en rapport avec l'aérien. Aujourd'hui, il est attendu au Bourget, où la première grande aérogare a été créée en lisière de la capitale. Rapidement, il s'approche du lac d'Enghien-les-Bains. Avec son île artificielle et son casino. Au début du XXe siècle, les curieux venaient admirer des fous volants qui testaient leurs machines. C'est vraiment un endroit très important pour l'histoire de l'aviation en Île-de-France. C'est là que les premiers hydravions et Blériot ont testé cette solution, faire atterrir un avion sur l'eau. L'avantage d'un hydravion, c'est qu'il n'a pas besoin de champ préparé, il peut se poser en fait à peu près n'importe où. Dans les années 20 et 30, notamment les politiques appréciaient beaucoup l'hydravion car cela évitait de construire des infrastructures en dur. Le lac d'Enghien, qui est vraiment à proximité immédiate de Paris, sert et on y réalise beaucoup d'essais. À l'époque, du coup, au tournant du XXe siècle, Paris, c'est un peu la capitale du monde, d'une certaine manière. C'est vraiment à Paris, c'est vraiment autour de Paris, c'est vraiment en Île-de-France qu'ont eu lieu tous les records. On a par exemple Santos Dumont, qui vient du Brésil. Nous avions Blériot, nous avons Farman. Beaucoup de noms des pionniers, en fait, qui viennent défricher ce qu'est l'avion. Tout ce petit monde se fixe dans l'ouest parisien. À l'époque, tous ces pionniers, ils sont en lisière de Paris, donc ils survolent tout de suite des champs. Mais de nos jours, on est en plein cœur de la trame urbaine. Ici, on est au-dessus du périphérique. C'est quand même extraordinaire de pouvoir être là. Le survol de la région parisienne, c'est un survol extrêmement compliqué. Et là, la Tour Eiffel est juste là, les Invalides, la Tour Montparnasse. Julien connaît chaque édifice. Et certains sont presque invisibles aujourd'hui. Nous approchons de l'observatoire de Meudon. Et Meudon, juste derrière, on voit le hangar Y, un monument historique d'importance. C'est le premier hangar à dirigeable au monde, construit en 1878, à l'époque sur le champ de Mars. Il a été déplacé à Meudon un peu après. Le hangar Y, c'est une des dernières traces de cette histoire des tout débuts de l'aviation. Juste à côté du hangar Y, la soufflerie de Meudon, 1932-1934, une soufflerie encore en activité de nos jours.
C'est l'une des premières souffleries au monde. En fait, ça sert à tester des maquettes d'avions, des maquettes d'ailes pour voir l'écoulement de l'air. À l'époque, dans les années 60, on y a testé par exemple l'aile du Concorde. L'hélicoptère longe Paris, à 4 km au nord du Sacré-Cœur, apparaît une longue trouée verte. Ce sont les pistes du plus ancien aéroport de France. Nous arrivons sur une icône de l'histoire aéronautique internationale et française, l'aéroport du Bourget. C'est le plus vieil aéroport encore en service, quasiment le premier aéroport au monde tel qu'on le connaît. C'est un lieu magique, les aéroports, parce que c'est là où on quitte la Terre. C'est un interdit, c'est le mythicar, c'est le rêve. C'est-à-dire, c'est à la fois l'exaltation de décoller, l'exaltation de partir, l'exaltation de voler. Mais c'est toujours la petite appréhension. Est-ce que l'homme est fait pour voler? Est-ce qu'on peut vraiment voler? Là, on se pose au cœur de cette histoire aéronautique. On est sur la piste du Bourget et l'aérogare historique de Georges Labrault est là. C'est magnifique, on la reconnaît, toute linéaire, tout en longueur, avec sa petite tour de contrôle, presque un sémaphore au milieu. À l'époque, la France est vraiment à la pointe de la technologie. La France veut montrer qu'elle est un grand pays et elle construit un grand aéroport et un monument à la gloire du transport aérien. Sur le tarmac, Julien attire notre attention sur une stèle. Elle commémore un événement majeur du XXe siècle, la première traversée de l'Atlantique en avion. En fait, avec l'hélicoptère, on s'est posé juste à côté de la plaque de Lindbergh. C'est ici que Charles Lindbergh a atterri après avoir traversé l'Atlantique. Donc, on est au milieu des avions, à un endroit qui n'est pas autorisé, où on ne peut pas normalement marcher. Il y a cette plaque, cette stèle, qui fige l'endroit. Et ah, c'est très émouvant de voir ça. Parce qu'on ne s'attend pas à avoir une plaque au milieu du tarmac. Le 21 mai 1927, plus de 100 000 personnes prennent la direction du Bourget pour accueillir en héros l'aviateur américain, annoncé dans la nuit. À l'arrivée du Spirit of Saint-Louis, la foule brise les barrages. Chacun veut approcher le pilote. La légende du Bourget est née. L'aéroport est également l'objet d'un souci constant de perfectionnement. Celui du Bourget, par exemple, va être doté d'installations nouvelles qui en feront la plus vaste et la mieux outillée des bases aériennes commerciales du monde. 11 hangars. Huit ans après Lindbergh, l'État commande à l'architecte Georges Labrault un port aérien qui impressionne et soit une vitrine du savoir-faire français. Il conçoit un bâtiment rectiligne de 233 mètres de long et imagine pour accueillir passagers et curieux une longue façade blanche recouverte de calcaire marbré. Dès qu'on arrive là, on découvre l'aéronautique telle qu'elle l'était dans les années 40, avec toute la majesté d'un nouveau mode de transport, d'un mode de transport futuriste pour l'époque. Cet aérogare est un très bon exemple de belle architecture art déco. L'architecte Georges Labrault a rendu une épure, un bâtiment art déco magnifique, tout en longueur. On le voit avec ses fenêtres voilà, qui s'étirent tout le long. C'est même une seule fenêtre. Hein. On n'est plus, en 1937, à se questionner est-ce qu'une fenêtre, c'est un carré? Non. Ici, la fenêtre, c'est un bandeau qui fait toute la longueur du bâtiment. Il y a des bas-reliefs qui représentent l'Europe, l'Afrique, l'Océanie et l'Indochine. On est quand même dans une composition qui est classique, mais dans une expression architecturale qui est la grande modernité, la belle modernité. Donc évidemment, quand on arrive ici, on est quand même frappé par la beauté du lieu. Julien est accueilli par Catherine Monoury, l'ambassadrice du Musée de l'air et de l'espace. Nous sommes à quelques semaines de la réouverture au public de l'aérogare, après 7 ans de travaux de restauration. On arrive là, et quand même... Voilà, éclairage zénithal, une verrière de pavés de verre absolument extraordinaire. Oui, dans un temple romain, hein, presque. Pratiquement.
l'émerveillement du voyage commence par le lieu. C'est un lieu impressionnant. Oui. Donc, On n'est pas dans l'utilitaire. Ouais. Et première impression, avant de prendre l'avion, on rentre déjà dans un monde différent. Oui. Et on communique un peu avec le ciel, en fait. On commence à communiquer avec le ciel. Les grandes particularités de cet aérogare, c'est d'abord cette voûte zénitale, ce plafond de verre qui vous permet d'être déjà presque dans le ciel quand vous rentrez. Et l'horloge monumentale qui va nous permettre de savoir quelle heure il est partout dans le monde. Donc quand on rentre ici, on est déjà quelque part ailleurs. En s'inspirant des gares maritimes conçues pour les navires transatlantiques, l'architecte a posé ici les jalons pour les grands aéroports à venir. De l'espace, des comptoirs et des salles d'attente, dans un décor strict et majestueux. Et une grande allée bordée de 8 colonnes qui mène à un escalier à double volée. Au cœur de ce bâtiment et au cœur de cet espace, nous trouvons un grand escalier monumental. C'est une figure architecturale classique. Tous les grands bâtiments ont en général un grand escalier d'apparat, des châteaux jusqu'aux aérogares. Et cet escalier, c'est vraiment le chef-d'œuvre. Il est sous une voûte en cul-de-four, on appelle ça, parce que c'est une demi-coupole. C'est presque une église, en fait. C'est le cœur du temple aéronautique. Et cet espace est un espace majestueux. On pourrait presque y mettre un hôtel à l'intérieur. À l'époque, on ne conçoit pas un grand bâtiment d'État, une grande commande publique, sans vouloir faire un monument. On ne vient pas seulement prendre l'avion à l'époque, on vient chercher de la beauté. Cette pièce magnifique, ces colonnes, ce grand escalier, cette voûte, participent à faire de ce bâtiment une référence architecturale importante et un monument. Le Bourget est un monument de l'architecture. Avec précaution, les conservateurs du musée commencent le remontage des aéronefs. Ils débutent par le premier avion construit en série, qui fit son vol inaugural en 1907. Celui-là, c'est la demoiselle de Santos-Dumont. Ce qu'on a là, c'est le patrimoine national. C'est aussi précieux que si nous avions la Joconde. Il y a trois axes dans l'avion. La profondeur qui va faire monter et descendre. Il y a déjà un petit volant, mais il y a l'axe pour le faire monter et descendre. Les ailerons, bon, il va tourner comme ça. Oui. Ça fait marcher sa dérive qui se déplace en même temps. Oui, c'est étonnant. La dérive qui est pour la direction, qui se déplace en même temps que sa profondeur. On voit qu'il y a encore quasi des roues de vélo. Hein. C'est un tout petit volant, c'est encore un jeu. Une hélice qu'on imagine un peu en forme de feuille. On est encore en train d'essayer d'imiter la nature. On a compris qu'il ne fallait plus battre des ailes, qu'on n'a pas besoin de faire comme les oiseaux. Mais néanmoins, on cherche, et là, on le voit bien. C'est un merveilleux petit avion qui a permis à tous ceux qui étaient passionnés de commencer à voler. Ça a permis à de grands pilotes, comme Roland Garros, qui va être le premier à traverser la Méditerranée, de commencer à apprendre à piloter, parce qu'on ne sait pas piloter. C'est ravissant déjà de les voir tous emballés comme des fantômes du passé à qui bientôt on va redonner vie. Et voir le déballage de celui-là, c'est un très joli avion, très gracile, presque une petite libellule. On a du mal à croire que quelqu'un ait osé et voulu se mettre à l'intérieur. Julien et Catherine Monory se dirigent vers l'une des deux esplanades qui offre un point de vue idéal sur la tour de contrôle. Cette grande rotonde a été imaginée comme une proue de navire. Elle surplombe les terrasses en gradins qui symbolisent les ponts d'un paquebot avec leur bastingage. Le public y venait en spectateur jusqu'à l'ouverture de l'aéroport d'Orly en 1961. Les gens viennent en famille pour regarder les avions. Ce qui faisait rêver. Ce qui faisait beaucoup rêver, on venait s'y promener. Les passagers pouvaient attendre ici, regarder les avions arriver. On était en contact, je dirais, physique avec l'avion. Ils viennent pour voir cette histoire, cette nouvelle histoire, pour voir les avions voler, pour les voir décoller, pour les voir se poser. Ça se passe juste devant eux. Le Bourget, c'est l'endroit prestigieux de Paris. C'est the place to be.
Julien Scavini prend maintenant la direction du nord-est. Il n'a que 10 km à parcourir pour atteindre Roissy en France. L'aéroport de Paris-Charles de Gaulle apparaît avec son fameux terminal 1 à la forme circulaire, inauguré en 1974. L'histoire de Roissy me fascine parce qu'elle est emblématique d'une époque. C'est un moment charnière. Les Trente Glorieuses sont presque terminées et on va chercher à porter l'image de la France dans quelque chose de nouveau. C'est vraiment se jeter dans la modernité. Quand on voit le bâtiment de l'extérieur, c'est une vraie masse de béton. Pourtant, il est plein de trésors cachés. J'aurais tendance à dire que c'est même une dentelle de béton. Il y a vraiment de l'art qui a été mis dans ce béton. C'est dans la même lignée que les plus grands bâtiments qu'on a construits en France. Nous avons eu Versailles, nous avons eu Vauban, des grands dessins à la française. Et je pense que Roissy et cet aérogare, c'est le grand dessin à la française dans les années 70. Ça n'a pas l'allure de l'architecture classique, mais ça en a tous les signes, toute la majesté. Le passionné d'aéronautique a obtenu l'autorisation exceptionnelle de faire des clichés de l'édifice depuis les pistes. Là, c'est vraiment un rêve d'enfant. On est en train de suivre un avion. On ne peut pas rêver mieux, hein. Là, devant nous, il y a un A320. Devant, il y a un Airbus A380. Ça fait rêver. Plus on tourne autour et plus on se rend compte de son aspect futuriste, hors du commun. C'est une soucoupe volante de béton posée dans la prairie. Bon, ça, c'est carrément canon. C'est la première fois que je peux être sur le tarmac. Donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir observer le bâtiment. Le fait d'être sur le tarmac, ça permet de mettre en perspective le Terminal 1 dans son environnement, de se rendre compte que certes, c'est une masse immense, mais qu'au regard du territoire et au regard des avions, il apparaît plus petit, en tout cas à l'échelle du reste en fait. Il paraît presque à taille humaine d'ici. Au cœur du monument, dans les fameux tubes en plexiglas, Julien retrouve François Tamisier, l'architecte en chef de l'aéroport. Voilà, on décolle. On décolle. Et on est pris dans un design qui est enveloppant en même temps, oui, hein, ouais. Dans sa forme courbe. Et ce qui est très beau dans les tubes aussi, c'est que toutes les lumières existantes, tout ça, se reprennent. Il y a des reflets, oui. Donc il y a des effets de lumière tout à fait inattendus, incontrôlables. Et qui font qu'on est quand même dans un univers plein de mystères et de mystères, de plasticité. Attention, arrivée dans 15 mètres. Cette façon de concevoir ces tubes en verre, lancés dans l'espace, dans la lumière, c'est très lié à la progression du design du moment, à l'industrie des avions, des voitures, des TGV. Il y a une sorte de relation directe avec ce moment de l'histoire de l'architecture et du design français où tout s'invente. Pour les Français et pour les passagers qui découvrent le terminal en 1974, je pense que c'est une vraie révolution. Il est qualifié d'extrêmement futuriste, de nouvel aéroport pour un âge spatial. Il y a vraiment un côté science-fiction. On est un peu chez Kubrick dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Paul Andreu, le créateur de l'édifice, a voulu accentuer l'effet graphique des structures en béton. Il a également laissé apparent les conduits d'air conditionné en les faisant dessiner par des décorateurs de renom. Les gaines de climatisation, habituellement, on les cache. Le parti pris ici, c'est on enlève tout ce qui est ornementation et on rend visible tout ce qui est utile et nécessaire à la vie et au fonctionnement du bâtiment. Mais le rendant visible, on le sublime dans son design.
Les deux hommes s'enfoncent dans l'un des 7 tunnels qui mènent aux salles d'embarquement. Une autre invention de l'architecte. On entre dans quelque chose de très organique, de très humain aussi. En même temps, c'est la forme est douce, apaisante, accueillante. Il n'y a pas de stress à passer sous terre. On va passer sous les avions, sous les pistes. C'est presque comme une artère, une veine qui nous fait circuler. Ouais. Pour atteindre les avions, les passagers doivent parcourir près de 200 mètres en souterrain, sous le tarmac. Les salles d'embarquement, ce sont les 7 satellites qui sont comme des îles qui émergent au milieu du territoire des avions. Oui, on dirait un peu une hydre, en fait, avec plusieurs têtes autour. Exactement. Ah oui, ah ça, c'est vraiment... Ah ça, c'est beau. Ah ça, c'est bien. C'est un peu comme au bord de la mer, au bord d'une digue. On est arrivé au bout de la digue et on est dans ce moment où on va quitter la terre et entrer dans les flots. Là, c'est pareil avec le ciel. Moi, il me fait penser une soucoupe volante, un colisée. On peut imaginer tout un tas de superlatifs. On n'avait jamais vu avant une aérogare et un aéroport sous cette forme. Et je pense que depuis, on n'a pas vu un nouvel aéroport ou une nouvelle aérogare sous cette forme. Des nouvelles du château de Bie, qui fut la propriété de Rosa Bonheur au XIXe siècle. Désormais, l'atelier de cet artiste peintre est ouvert au public. Depuis octobre dernier, les visiteurs peuvent même assister à un récital lyrique ou un concert de jazz dans les pièces de réception du château. Il faudra attendre le mois d'avril pour découvrir le Vexin en canoë. Mais si vous aimez la randonnée, vous pourrez suivre Julien Masson sur son nouveau sentier, la route des châteaux de la vallée de la Seine jusqu'à la vallée de l'Epte. Enfin, si l'aéroport Charles de Gaulle vous fascine, vous pouvez lire le dernier ouvrage de Julien Scavini, sorti en octobre, le jour du décès de Paul Andreu, l'architecte du célèbre Terminal 1 de Roissy. Voilà, c'est la fin de ce Passion Patrimoine. Je vous laisse avec l'équipe du Soir 3. Bonsoir.